Les gars, je sais pas ce qui s'est passé, ma box ne voulait plus mettre le wifi, ne plus rien mettre, ça voulait plus fonctionner du tout. Ouais, j'ai eu un gros souci de connexion. Plus rien ne voulait fonctionner. Ouais. Oh, mais qui voilà la plus J'en belle des pouvais femmes, viens. plus. Bah ouais, viens, Je l'ai eu du coup. viens. Oh, félicitations! Let's go. Let's go! Bon. Oh, vite, 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 vite. Pourquoi? Dinguerie, Passe. dinguerie, dinguerie, dinguerie. Essaye T'as de raté nuit. tes trucs. T'es parti quoi? Même pas une heure. Même Ouais, pas déjà une une heure, t'as heure. raté. Toi, t'as raté beaucoup de choses. Lion qui a tabassé Calvin parce qu'il se rapproche de Mia. Mia, Calvin, ils se sont fait kidnapper. Red a été appelé par les mecs, par les kidnappeurs qui, genre, on doit leur donner Lion ou sinon
il tue Mia et Calvin, mais ça, y a personne qui le sait encore. Donc ça, il faut pas en parler. Allez à l'hôpital. Allez à l'hôpital. Ne restez pas seul, ne restez pas seul. Et restez sur pas une minute, pas une minute. Ok. Tu veux pas qu'on prenne des battes? Allez, maintenant. Wesh. Tu arrives? Celui-là, non, mais non, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Vous faites quoi? Il a eu un problème de tête. Ils ont tué Mia. Quoi? Ils ont tué Mia. Apparemment, Mia est morte. Comment ça? Il s'est passé quoi? Si j'ai eu un gros problème Mia, de tête. Mia s'est fait kidnapper, Calvin aussi, Calvin à l'hôpital, Mia tuée. Mia tué. Ils veulent moi, j'y vais. Mia est morte. Et par qui? Mia est morte, par les mêmes mecs. Ils sont venus à l'hôpital, ils l'ont kidnappé à l'hôpital. À l'hôpital, mais c'est pas possible. À l'hôpital, oui, masqué à l'hôpital, je les ai vus, j'étais là. J'ai essayé de les suivre, mais avec les voitures, je peux pas les suivre. J'y crois pas, je peux pas y croire. T'as le numéro... possible que ça. Appelle pas, tu vas faire... C'était masqué. Écoute, s'il te rappelle, tu dis, je vais te donner la gueule. J'y vais, frère. Mais donnez pourquoi? Ça y est, elle est morte, aussi, la ils l'ont tué. Ils l'ont fumé. Ils ont relâché Calvin, ils l'ont fumé. Ça y est, il n'y a plus rien à faire. Mais wesh, mais. T'as donné pourquoi? Wesh. Pour qu'on perde encore une autre personne? Pourquoi ils l'ont buté? Oui, il s'est dit quoi? Il a dit quoi? Mia est morte. Ah. Waouh, c'est malade lui. J'y arrive pas à y croire par contre. Pourquoi il l'aurait buté? Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'il... Qu'est-ce qu'il a fait qui pourrait permettre de la buter? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Je sais pas. Mais là, on va où? À l'hôpital? L'hôpital, ouais. Ils ont relâché Calvin à l'hôpital. Allez, quartier. Vas-y, monte. Attends, mais c'est qui? On peut t'aider? Les OCB? Hein? Voici carton blindé. Vas-y. C'est pas marrant, arrêtez de rigoler s'il vous plaît. Miguel? Ouais. C'est Mia. Mia elle est morte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, moi. Mia est morte. Par les Vagos? Voilà. Non. Mia est morte à cause de. Grande partie, Lion. Et je pense que il s'est passé quoi en fait? J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fini à l'hôpital. Tu peux me dire Miguel s'il te plaît? Parce que Lion il t'a tabassé. Pardon, mais c'est quoi aussi leur nom au OCB? Est-ce qu'ils se moquent? Je suis fier de toi Lion. Félicitations beau gosse. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Mia, fait? Mia elle est morte. Pourquoi il est morte? Il m'a dit une phrase. Éviter de comment de semer le doute en ville. Par rapport à quoi? Par rapport au groupe. De semer le doute. On est suivi, on est tout. Et ils sont au courant qu'il y a quelque chose qui tourne derrière. Je vais pas vous mentir, j'ai parlé un petit peu. Ils m'ont demandé et je voulais pas canner. Ils m'ont dit que faites-vous en ville? Je dis on a un groupe d'amis. Le truc le plus gros illégal qu'on a fait, c'est des braquages, c'est des comment, des cambriolages. Et tout ce que j'ai dit. Ensuite, ils m'ont amené voir une personne, à mon avis, qui est bien implantée en ville. Je pense le gérant de cette ville. Et il m'a demandé de répéter, et j'ai répété la même chose. Ils ont demandé où on habitait, mais ils le connaissaient déjà, ils savaient déjà. Mmh. Et Mia est morte parce qu'elle n'a pas parlé, elle n'a rien dit. Et pourquoi ils veulent moi? Pourquoi ils voulaient Lion? Je sais pas. Là tu viens de me dire qu'ils ont fumé Mia. Ils ont fumé Mia. Parce que on a fait deux cambriolages. C'est non, quoi, ça a rien à voir. Je pense qu'il y a Mia, elle a fait. Ils ont coupé les informations, les Vagos ils étaient pas là pour rien. On lui a toujours dit, mais elle nous a pas écouté là-dessus, après on peut pas cracher sur une personne qui vient de mourir. Mais voilà. Les Vagos, c'était pas pour rien, je pense. Et il faut se montrer, si j'ai bien compris, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vous vous serez montré à l'heure actuelle.
plus montré, même vente de drogue, ça, ça n'a rien à voir. Hein. Ils m'ont dit, vous serez plus montré, vous aurez eu du boulot. Je vous aurais proposé des boulots, vous aurez proposé ci, ça. Et on ne s'est pas assez montré et elle s'est fait cramer directement, je pense, Mia. Ouais, mais en fait, je comprends pas la raison. Mia, je pense, c'est les infos. Il y a les vagos dans le coup, c'est sûr. Ouais, ça avait trop de choses, ils avaient cramé. Lion, s'il te plaît, j'ai pas envie de m'énerver, parle pas. À l'heure actuelle, si y a une petite partie à cause de toi, beau gosse. Oui, allez, d'accord, allez. Arrête de parler. La personne qui m'a mis un coup, je crois, c'est qui? C'est Lion, on est d'accord? Igual, tu me l'as dit. Ouais, moi, je à l'heure actuelle, si j'aurais pas eu le coup, j'aurais été avec Mia. Mia aurait pas disparu. Je suis avec elle depuis 17h, depuis qu'on est arrivé. Je l'ai pas quitté d'un regard. Et pourquoi ils t'ont kidnappé, toi? Ils t'ont kidnappé où? Quand? Parce qu'elle m'a donné mon numéro, elle a dit c'est la personne à qui je fais le plus confiance. Et tu t'es rendu? Non, j'ai été les voir. Je vais pas faire les grosses couilles, je vais. Il faut aller dans leur jeu, les gars. C'est, si vous faites braquer, dites-le. T'es allé les voir où? Ils sont venus me chercher en fait. Ils m'ont appelé en numéro masqué. Il est monté. Ils m'ont dit monte dans le coffre et j'ai monté. Ensuite, ils sont au courant de où on habite. Ils sont au courant de mon avis, Mia. Ils m'ont pas dit pourquoi ils l'ont canné. Ils l'ont canné à ce qu'il paraît parce qu'elle a pas ouvert assez sa bouche. Moi, comme je vous ai dit, j'ai ouvert ma bouche sur des trucs bêtes. Sur les cambriolages. Et sur le quartier, ils m'ont dit dis ton quartier pour voir si on a le bon truc. Et ben ils avaient le bon truc. Du coup, je leur ai dit. Voilà. Je vais juste vous dire un petit truc. Si on est genre là dans le viseur et ils me font livrer, je suis d'accord, livrez-moi. Écoutez, si c'est pour votre survie, livrez-moi. Non, mais c'est pour ça en fait, ça s'appelle un refus de scène, tu vois ce que je veux dire? Je t'explique après. Oui, bah oui. Vous voulez savoir pourquoi ils veulent Lion? Pourquoi? Parce que Mia a expliqué ce qui m'était arrivé. Ils m'ont dit j'aime pas les gens qui font les fous dans la ville. On va lui montrer qu'il y a plus de gangsters que lui. Ouais, écoutez, j'y vais, je me livre. Et ils m'ont dit, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre, mais ça peut être bien et mal, par contre, il faut pas que je me rate. Il m'a dit, j'ai fait comme si je voulais livrer Lion. Je leur ai dit, tu pourras me rappeler pour Lion si tu le veux. Ils m'ont dit, oui, ils vont me rappeler et il faut voir. Ils vont pas te tuer, je pense qu'ils vont te mettre un sacré coup de pression. Et à faire ça, c'est avoir la confiance. S'ils ont ma confiance, après, ils peuvent avoir la confiance de tout le groupe. Tu sais que je pense fortement que c'est le patron unicorn. Hein. Là, je suis le patron unicorn. C'est... Mais en il fait, j'ai une question. Ils avaient quoi comme accent? Ah non, moi je confonds Bahamas. Patron unicorn. Même le patron unicorn, il a pas d'accent. Vous pouvez me laisser réfléchir, s'il vous plaît. Juste deux secondes, j'essaie de me remettre un peu, s'il vous plaît. Attendez. J'ai entendu un accent dès le début. On est d'accord, quand ils sont venus à l'hôpital, il y avait un mec avec un accent, Larry. Ouais, j'étais là aussi. Est-ce que la tenue Attends, je te coupe, excuse. Est-ce que la tenue du T-Max qui est avec nous, ça te disait un truc? Une tenue similaire? Non, du tout. Du tout Du tout. C'était assez street. En vrai, même haut que toi. Sauf qu'un bas, on va dire, un peu comme Valentina. Un bas street, un peu. Il y en a, il avait un masque en bébé. Bébé horreur. Deux meufs. Un masque de clown. Deux meufs, cheveux gris. Une meuf cheveux gris, bah après c'est les cheveux, après voilà. Et une autre meuf avec des cheveux comme Valentina. C'était masqué. Okay. Et c'est eux qui ont tout fait. Et c'est eux qui ont tout fait et après ils sont allés voir des gros. Ouais. Eux, ils ont pris les infos, ils ont tâté la température avec moi. Et ensuite ils m'ont dit on va t'amener voir des personnes qui torturent. Ah, en aucun cas j'étais torturé. Il faut venger Mia. Faut faire quelque chose, on peut pas rien faire. Je vais te dire, les seules meufs que je connais avec les cheveux gris en ville, ça serait les meufs qui étaient avec elle à l'unicorn. Ouais. Mais encore une fois, il y a plein de meufs avec des cheveux gris. Il y a trop de meufs ici. C'est pour ça que je dis les seules meufs que je connais. Ouais. Juste Lion, vraiment, tu peux t'en vouloir, beau gosse. T'as voulu la marier, maintenant tu as sa mort sur la conscience, mon refus. T'as voulu la marier? Non. Aïe. Moi, t'es content, il y aura plus d'embrouille. C'est fini, je te parle plus, frérot. Si je voulais faire ma vie avec quelqu'un, frère, c'était pas content, c'était pareil. De toute façon, je m'en battais les couilles, ce que tu me disais. Et franchement, braquer moi juste pour une meuf, ça part trop loin. On est une famille avant tout.
J'ai peut-être fait un truc, j'ai abusé pour la meuf, je suis d'accord. On peut pas contrôler tout, n'oubliez pas ça. Non, on joue pas avec mon honneur. J'ai un honneur, je dois garder mon ouais, honneur. Ouais, tu joues avec ton honneur et maintenant ta femme, ton je sais pas quoi, elle est morte. T'es content, moi. En fait, là, tu t'en bats les couilles. Tu te rends pas compte, elle est décédée. Mia Bella de la Rosa, Mia Laura, je sais pas trop quoi, elle est décédée. T'as sa mort sur ta conscience. J'espère que tu vas pourrir avec ça. C'est... J'espère que t'es fier de toi. Pour une meuf, oublie pas. J'ai peut-être fait un truc de fou, mais t'as fait deux fois pire que moi. Et à l'heure actuelle, si elle est décédée, je pense qu'en grosse partie grâce à moi, à toi. J'étais avec elle depuis qu'on arrive en ville. C'est à cause en de aucun cas, je suis dans l'histoire. En aucun cas, je suis dans l'histoire. Mia, je la bref. Protège depuis. Déjà, ils l'ont pas tué parce que l'un voulait Mia, l'autre voulait Mia. Ils l'ont tué parce que elle savait trop de choses. Elle savait trop de choses. Elle a pas su écouter. Elle a pas su écouter, ouais, je l'avais dit. Je l'avais dit, calme-toi. Et elle était trop gourmande. Elle en voulait toujours plus. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on la respectera toujours. Si on a ton information, c'est grâce à elle. Attends, laisse-moi parler, tu vas toujours comprendre. Moi, j'étais à l'hôpital, ok. Elle est venue avec toi et tout. Après, on s'est retrouvés à deux. Parce que Larry, il a pété un câble, il t'a appelé, toi, arrête à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a commencé à me dire ouais, c'est quoi cette famille, moi c'est fini maintenant, je quitte la famille. Après, j'ai même pas eu le temps de placer 2-3 mots que je n'étais plus devant moi. Qu'est-ce que t'en sais, qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'elle est partie raconter à d'autres personnes? Parce que elle croyait pas qu'elle était toute rose, toute blanche. Je suis désolé frérot, hein, mais là, moi je voulais les choses cash parce que là, je suis en train de me rendre compte de la personne à qui on faisait confiance que finalement, en fait, je pense qu'elle nous la mettait à l'envers un peu. Frérot, je sais tout. Tu veux que je te dise quelque chose? Les infos, il y a plein d'infos. Il y a des infos que je connais qu'elle n'a pas eu le temps de marquer. Elle m'a dit des infos tout à l'heure qu'on était ensemble avant que je joue à Lyon. Il y a la maître qui arrive en ville. Le circuit de maître, si je me trompe pas, elle arrive en ville. Elle l'a écrit. Ok, je lui ai dit de l'écrire, c'est bon. Alors elle l'a écrit, il y a des. Voilà. Et les vagos, c'est full information et elle me l'a juré et vraiment, je lui fais confiance. Après, vous pouvez peut-être pas la croire, vous. Moi, je sais ce que je vois, je sais ce que j'ai entendu. Et puis. Mais je veux juste lui faire un putain d'enterrement si c'est possible, s'il vous plaît. Bien sûr. Et où son corps ? Voilà. Son corps, elle a explosé. Ils l'ont explosé. Oh. Ils l'ont mis dans une voiture et ils l'ont fait exploser. Je pense, moi, c'est ce que. Je sais pas, en fait. Ils m'ont dit. Ils ont dit, ah oui, ils m'ont dit, elle a pas assez ouvert sa bouche, elle est partie dans sa coachée et elle a explosé avec. Moi, je pense qu'on veut tous s'en vouloir, on l'a pas assez bien protégée, c'est tout. Moi, je l'ai protégée. Non, c'est moi le fautif. Ici, c'est moi le fautif. Ça sert à rien de dire on est tous fautifs ou quoi que ce soit, c'est bon, c'est trop tard. Non, c'est moi. Mia, elle a toujours voulu prendre des informations, allez, c'est tout. Elle a pas voulu écouter, c'est tout. Elle en voulait toujours plus. Elle en voulait toujours plus. Elle a fait tout ça pour nous, donc elle a tout notre honneur et que on l'oubliera jamais. On l'oubliera jamais. Mais les choses vont juste passer comme ça, malheureusement, et ça va être une étape à. Ça nous servira de leçon surtout. À endurer, ça nous servira de leçon. Et dorénavant, les frères, il y aura plus de filles dans le groupe. Je pense que vous comprendrez pourquoi. En deux jours. Une fille, ça a failli nous déchirer. Donc maintenant, il y aura strictement plus de filles dans le groupe. Avec Ryan, on s'était toujours dit, les filles, ça apporte que des problèmes. Oriana et Valentina, c'est des burnes. Ils ont deux grosses couilles. Et c'est pas des filles. Ouais, attends, c'est de l'exception. C'est la street. Elle savait ce qu'elle encourait. Et... On lui avait dit, arrête-toi. Ouais, je vois, on peut pas les cracher dessus, les gars, s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment pas beau. Elle est morte. On lui crache pas dessus, c'est honorable. Elle a été gourmande. Mais c'est le risque qu'elle encourait. Voilà, c'est tout. Et franchement, à l'heure actuelle, si on a autant d'informations, c'est grâce à elle. Et franchement. Mais ça, ce que je t'ai dit, moi je l'ai pas craché dessus, hein. Moi j'étais le premier, t'as très bien vu, j'étais le premier à dire que
que voilà, si personne n'aurait voulu d'elle, quoi que ce soit, on aurait dit dès le début, etc. Tu vois, donc ça veut dire qu'au fond, nous, que tout le monde l'a accepté dans le groupe, et tu vois ce que je veux dire, et tout le monde commence à bien l'aimer, tu vois. Ouais, Oui. Parce que certes, on avait connu la mauvaise personne, la mauvaise face d'elle, mais après, au fur et à mesure du temps, on a commencé à connaître la vraie. Mia, elle est morte, mais je vais vous expliquer, les gars, vous inquiétez pas. Qui était vraiment et que c'est. Et Mia, je vais te dire qu'est-ce que c'est, pourquoi. Mais avant un truc, Mia, c'est une personne. Il faut caler une personne. Par exemple, je te crache pas dessus, la Yod, dans aucun cas. Il faut une personne lui dire non, tu restes là. Genre, entre guillemets, qu'un. C'est ce que j'ai fait depuis le début. En fait, un mec, tout simplement, un vrai mec. Et je me dis pas que je suis un vrai mec, mais frère, c'est ça que je faisais. Non, c'est ça que je faisais en France, mon ref. En France, t'as su le faire. Ici, tu l'as pas fait. Elle m'écoute pas. Elle m'écoutait pas. Elle t'écoutait plus. Elle m'écoutait plus. Oui, mais il y a eu trop de trucs. Tu peux la comprendre, elle pouvait plus t'écouter. Elle pouvait plus. Elle m'écoutait. Non, le premier jour, elle m'écoutait plus déjà. Premier jour, elle m'écoutait. Elle pouvait plus t'écouter. Elle pouvait plus t'écouter, frérot. Tu t'es mis avec elle. Tu t'es remis avec elle parce que je t'ai dit de te remettre avec elle. Ensuite, t'as fait un truc. En fait, tu as trop de trucs. Bref. Voilà. Moi, ils vont me rappeler pour Lion. Et puis, voilà. Et quand ils vont te rappeler, tu me tiens au courant. Je vais me livrer à rien. Tranquille, les gars. Après, il va se livrer, c'est nul. Calvin a dit. Apparemment, il y a la rue sur le toit. Apparemment, T-Max, il fait que faire des tours autour du quartier. Non, c'est possible. C'est... Tranquille, je vais me livrer. Je vais dire la même chose. Venez, on va tous sur le toit. On arrive. C'est par où? Même moi, je sais pas. Wesh, vous allez nous apprendre. Ah ouais, c'est bon, je me souviens. Je veux pas savoir comment elle est morte, etc. Les gars, je vais apprendre tout ça en RP, vous inquiétez pas. Au bac de HRP, parce qu'après, moi, des fois, j'ai du mal après. Et ça fait clic. Mais en fait, c'est parce que quand tu parles pas assez, je t'appelais Mia, désolé. Quand tu parles pas assez, en fait, bah du coup, ça s'appelle un refus de quelque chose. Genre, t'as pas le fire ou je sais pas quoi. Et du coup, ben voilà ce qui se passe. Il te bute. Je vais tomber. Genre le rendez-vous, j'étais pas là. Oui, je sais, mais genre tu peux dire que il parlait de rendez-vous. Enfin, tu vois, tu peux dire des petites choses, tu vois. Ou par exemple, comment ça s'appelle ? Dire par exemple qu'on faisait des braquages, etc. Tu vois ce que je veux dire ? On est à côté de l'autre. Doucement. Oh ! Attention, Valentina. Tu vas tomber. Je te connais, toi. On verra. Je vais me suicider. Je vais sauter. Je pense qu'on n'a pas trop de rigoler. Arrête, s'il te plaît. C'est la merde, les frères. Calme les Léon et Aaron, je te jure, parce que si c'est moi, je m'en occupe, je te jure, je les tue. Donc, on a un groupe de potes. Le plus hard qu'on a fait. Il y a Santiago qui m'appelle. On a un groupe de potes. Réponds-lui, voir si. Un cambriolage, quoi. Ok, je vais dire ça. De la mort de Mia, c'est bizarre. C'est allô. Ils t'ont pas parlé, rien que ce soit. Ils t'ont pas dit, dis-moi des choses ou. Ou genre ils t'ont pas torturé ou quoi que ce soit. Mal. Tu peux venir voir Red, s'il te plaît. Vas-y. Ils t'ont demandé où t'habitais, ok. C'est bizarre en vrai. Mais tu vas me dire ça à chaque fois, Flops ? Sérieux ? Qu'il y a Ryan ou qu'il n'y a pas Ryan, c'est pareil sur ce coup-là. Là, c'est Mia qui a décidé ça. On l'a averti pas mal de fois de ne pas prendre des informations parce qu'elle est trop gourmande et parce qu'elle a fait ci et que c'était trop ça. Mais me dire ça à chaque live, c'est mon frère. Que son pote, elle avait dit à son pote, si t'as plus de nouvelles de moi avant, je sais pas quoi. C'est qu'il m'est arrivé quelque chose et il a plus de nouvelles depuis un certain temps, donc il m'a demandé. Et je lui ai dit que je savais rien, que je le tenais au courant.
Oh, cette situation, honnêtement. Ils sont... Eh, mais ils sont où les deux? Ah, ils sont là-bas. Oh, on parlait. Je me suis dit, ils sont en train de se tabasser. Putain. Pourquoi, quand on doit venir. Pourquoi pile maintenant si problème arrive, quoi? On vient à peine d'arriver en Amérique, ça qui me casse la tête. Mmh. Après, c'est une épreuve à surmonter. Ça va être quoi? Ça va être un tous les deux jours? Dans 10 jours, il n'y a plus personne? Oui, c'est ça. Moi, elle est... Oui, c'est pas RP, mais elle est morte parce qu'elle a pas fait son FIR, en fait. C'est ça, les gars, vous comprenez pas. Comment ça, elle est dans le business, là? Quand quelqu'un ne joue pas son FIR, c'est sûr qu'il se prend une mort RP instant. Dites-vous juste ça. Le FIR est trop important. Imaginez-vous, vous avez une arme sur la tête, vous allez dire « Non, je connais rien, alors tu sais tout, tu vois ce que je veux dire ?» Le FIR est beaucoup trop important. Si tu joues pas, le staff, ils vont pas te... ils vont pas dire « Bon, d'accord, c'est pas grave, tu peux repartir, alors. » Je voulais m'asseoir là et tourner. Si tu ne joues pas ton FIR, tu prends une mort RP. Tu joues pas ton pain, tu prends une mort RP. Tu vois ce que je veux dire? Normal qu'elle sert ça, elle était chef du cartel juste avant. Mais tu n'es plus chef du cartel. Tu n'es plus rien. Là, on est au Los Santos, tu n'es plus rien. Même moi, j'étais chef d'une cité. Pourtant, je vais pas jouer la grosse couille, tu sais ce que je veux dire? Tu ne dois plus jouer ça, c'est plus possible. T'es plus rien, t'es... Désolé du terme, t'étais une merde là. Même moi, je suis une merde là, clairement. On est tous des merdes actuellement. En France, si tu veux, ou où tu étais, t'étais quelqu'un. Là, on est tous des merdes, à Los Santos. En France, on était des rois, mais ici, on est tous des merdes. Mais le FIR, même si t'as été chef de quelque chose, tu joues le FIR quand même. Oui, voilà, en plus, c'est un gros serveur ici, ça rigole zéro. Ah, mais ils font que passer, eux, par contre. Hein. Oui, voilà, s'il y a refus de scène, c'est normal que ce soit pas RP, vraiment. On a un peu de mal, sans problème. En France, on a été tranquille. Ouais. Faut être prêt pour ça, hein, je vous le dis. On n'était pas tranquille en France. Si on est là, c'est pas pour rien. Là, on n'avait pas assez de niveau. Hein. Oh, moi, je suis perdu, vraiment. T'avais pas le numéro de Larry? Vraiment? Genre, t'avais vraiment pas le numéro de Larry? Et t'avais pas un numéro de quelqu'un d'autre? Parce que tu jouais pas ta peur, malheureusement, même si tu avais de l'essence sur toi et qu'il te pointe avec... Bah oui, voilà. C'est ça. Si t'as quelque chose sur... Bah, du moment que t'as une arme pointée sur ta gueule, tu ne fais pas ça. Oh là là. Voilà. Il y a un Samy, si t'as un pote à... Si t'as rien sur ta gueule, tu vois, tu peux commencer. Mais après, quand il commence à te pointer avec une arme, là... Il est armé, lui. Voilà. Et ça, je... Si, il a un fusil. Tu parlais pas, oui, c'est encore pire du coup. Si tu parlais pas, c'est encore pire, c'est-à-dire que tu refuses totalement la scène. Tu n'essayes même pas de. Tu vois ce que je veux dire? Montrer au moins que t'avais peur, tu vois. Ça aurait peut-être qu'elle fait quelque chose. Parce que ne pas montrer que t'as pas peur, compliqué. Même si t'as juste un petit couteau pour le planter, enfin...
sais pas pourquoi t'es morte, je suis sûre que c'est à cause du fear. Si tu joues pas ton fear, c'est sûr. Si tu joues pas ton fear, c'est... Si tu cherches pas, ça doit être ça. Mais après, tu peux essayer de faire un ticket pour demander. Tu vois ce que je veux dire? Parce que faut... Le faire un ticket. Faut se réveiller, les gars, c'est tout. Vas-y, vas-y, c'est quoi? C'est bon. J'avoue que ça enlève toutes nos animations à chaque fois. Non, c'est clairement le signal, ouais, comme tu dis, pour se réveiller, parce que là... Ah mais oui, on est... On est des couilles molles ou c'est comment? En fait... Quoi, c'est ouvert la munition ou pas? Miguel. On passe la dixième, c'est parti. Ouais, arrête. Let's... Je vous avais dit, moi, quand on arrivait, qu'il fallait commencer, que c'était pas la France, que fallait se faire une place. Mais moi, j'ai pas dit le contraire. Moi, on a fait un vote. J'ai suivi le groupe. Moi, j'ai pas voté ni pour oui ni pour non. J'ai dit, je m'en fous. Du moment que le groupe est épanoui, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui ont voté oui, il y en a qui ont voté non. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, on a vu qu'on aurait dû directement le faire. Et c'est tout, tu vois, maintenant on va rattraper le temps perdu. Je pense que même le temps qu'on a passé là à rien faire dans l'illégal, presque très peu, ça nous a permis de faire énormément de contacts pour certains d'entre nous, ainsi que même des sous, tu vois. Genre moi ça m'a permis de payer mon PPA par exemple, genre c'est des frais en moins à payer. Là, je t'avoue, ce soir je vais pas aller travailler, mais demain j'irai travailler genre 3-4 heures à la mine, ça va encore me faire 30K, tu vois. Et 3 heures à la mine, 30K? Bah ouais, frère. Non. Les calculs sont pas bons, Kevin. J'ai travaillé 3 heures avec Cinéa, j'ai gagné 10 000. Ouais, ça dépend comment tu travailles. Non, mais je me suis trompé. Putain, 6 heures à la mine. 6-7 heures à la mine, tranquille, tu vois. Mais c'est faisable, genre. C'est un travail comme les autres. Mais là, voilà, là, on est tous mous, on se reconnaît pas l'un et l'autre, et, et c'est plus possible, hein, on est en train de se dissoudre, moi, je vous le dis clairement. Non, on se dissoudre, moi, je pense pas. Non, pas dissoudre. Donc, du coup, Red, toi, tu penses qu'il faudrait qu'on se mette à l'action, c'est ça? Voilà, mais moi... C'est pas que je pense qu'il faudrait qu'on se mette à l'action. Là, c'est à l'action. C'est que là, on est dans l'action. Là, c'est même pas, on a le choix. Ils ont déclenché le truc, c'est que là, va falloir se bouger le fiac, le trou du cul, que, commencer à acheter des armes, commencer à s'équiper. Et voilà, et il va falloir trouver les bons contacts, travailler avec les bonnes personnes. Et si on peut viser plus haut que de la drogue, bah, on visera plus haut que de la drogue. Si on peut trouver le bon contact pour avoir des vraies missions qui peuvent nous rapporter gros et être en confiance avec des grandes personnes. Parce que je vous mens pas, si on travaille avec une mafia, on est Gucci. Je demande un rendez-vous avec mon patron, sinon. On va demander s'il est là. Ça pourrait être pas mal. C'est à tenter en vrai de vrai. Ça pourrait tenter. Mais pourquoi ton patron, il fait quoi, lui? Je sais pas, mais ils sont bizarres. On a vu des trucs. Ils sont illégaux, c'est une mafia, c'est un bail, ils sont trop classe. Tu peux pas, tu peux être italien et pas être classe. Mais est-ce que ton patron c'est un mec aux cheveux gris? Il a toujours un chapeau, alors je pourrais pas te dire. Il marche un peu comme si c'était fait mal. Ouais, un peu. Il est toujours en costume. Ouais, noir. Il a la voix très grave. Ouais, un peu, ouais. Tout à l'heure, je lui ai parlé. Parce qu'il était à la course de moto. Ah oui? Et après, on est allé sur un dépannage, bref. Et il m'a dit, t'es italienne et tout, c'est quoi ton nom? Du coup, je lui ai donné mon nom. Il me dit, mais toi, tu fais quoi à part ça? Je lui ai dit, bah rien, pourquoi? Il me dit, tant mieux pour toi. Passe à la pizzeria, me voir quand tu peux. Parce que moi, il m'a posé des questions sur le groupe. Hein. Ouais, mais ouais, il faut essayer d'avoir rendez-vous, Cinéa, si tu peux. Comment lui, s'il est là? Je lui ai dit, est-ce que tu serais disponible pour un rendez-vous? Mon grand voudrait te parler. Et il m'a dit, ton grand? Du coup, là, il faut que je lui dise qu'on a un quartier, du coup. M'appelle au pire directement. Ouais, mais un truc aussi, ce que je voulais dire, c'est que la mort de Mia, ça va être un déclic pour nous tous là actuellement.
C'est un déclic. Et, ça va... et moi, je suis en danger. Et attends, la vengeance. Je viens de recevoir un mail. C'est fini, moi. Donc, je te rends mes clés. Rit. Comment ça? C'est fini. Comment regardez ça, par mail. Voir. Regardez par mail. Je viens de voir. Tiens, je te rends mes clés. Et bon courage à vous. Et s'il y a une galère, appelez-moi et je vais me livrer. C'est bon? Vas-y, Lion. Mais non. Il y a Ryan qui l'a viré. Ryan, il a dit tu prends tes clés, enfin, tu rends les clés non, à Belle et tu dégages. Moi, ça m'étonne même pas, vous voyez. Honnêtement, ça m'étonne pas. Je dis rien parce que voilà, enfin, moi, je vois pas. On va me dire que je suis pas. Je suis pas. Comment? Je suis pas du bon côté parce que. À cause de. Mais t'inquiète, t'inquiète. Je dis rien, moi. T'as vu? Mais moi, ce que je voulais dire, moi, je pense à un déclic pour nous faire réagir. Pour qu'on commence aussi notre truc. Parce que. Tu vois. Tout, certes, on nous a dit avant d'arriver ici, découvrez comme il le faut et tout, mais en fait, on a découvert, c'est bon. On a pris trop de large, on a trop élargi la découverte, en fait. On s'est trop montré, en groupe. Et un groupe de 12, croyez-moi, bah, ça passe pas inaperçu. Et des personnes qui font les grosses couilles au Unicorn, ça passe encore moins inaperçu pour un oui, pour un non. Et des groupes qui sont autour de Mia... et qui nous raconte tout, c'est encore moins passé inaperçu. Crois-moi, on est surveillé là, à l'heure actuelle, il y a un mec sur un toit qui nous regarde. Soyez parano de Barjo, on se fait regarder H24. On est sur le pas sur la Select, ils vont voir, moi je pense qu'ils vont attendre qu'on bouge, et quand on sera vraiment dans l'illégal, ils vont nous proposer des trucs. Et moi, c'est ce que j'ai pensé directement quand il m'a dit. Préparez-vous, on est une famille, n'oubliez pas s'il vous plaît. Franchement, je vous kiffe tous ici et vraiment, on a tous bien kiffé Mia et qu'elle repose en paix. Qu'elle repose en paix, la pauvre. Top tout. Oui. T'étais pas que j'étais énervé, Valentina. Surtout sur moi. Aïe. T'aurais pu taper Lion, putain, pas elle. M'a remis la dent. Désolé. Ma mâchoire, elle a fait crack. Honnêtement, vous vous rendez compte que tout c'est parti à cause de d'une fille. Ça part de base d'une blague. Ouais, ouais, non, ça voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire, ça part vraiment d'une blague, tu vois. C'est parti trop loin, c'est moi j'ai voulu faire mes trucs là. On m'a dit, il y a Larry, il m'a dit, si tu veux faire un truc avec Mia, fais. Pas devant lui. J'ai tout fait devant lui. Aujourd'hui, je fais plein de trucs. Je vais pas vous raconter ma vie. Je fais des trucs et il était pas là. Et j'ai quand même... J'ai abusé. Je ferai plus jamais ça. Je sais que je ferai plus jamais ça. Et voilà. J'ai abusé sur le truc que j'ai, entre guillemets, pris sa meuf alors qu'il était plus avec. Voilà. J'ai abusé après, là-dessus, ouais, je suis d'accord. Et si je dois prendre des trucs pour ça... J'ai abusé, je suis d'accord, tu vois. On a rendez-vous à 2h45, 3h. Il m'enverra une adresse. Écoute, attends, regarde, écoute, Nishen, je vais donner une expérience d'un ami, ok. Écoute, mon ami, sortait avec une meuf, ok. Son meilleur pote et tout. Enfin, d'abord, ils se connaissaient même pas, tu vois, par exemple. Ils se connaissaient pas du tout, je te donne un exemple. Ce qui se passe, c'est que mon pote, il sépare de sa meuf. Un autre type se met avec l'ex. De mon meilleur pote, et maintenant mon meilleur pote devient ennemi, on va dire, et se font la guerre avec un autre gars. Et il s'avère qu'une fois que le gars quittait l'ex de mon pote, ils sont devenus meilleurs potes. Mais du coup, son meilleur pote à lui, moi, j'étais meilleur pote avant. Ouais, mais il est retourné avec son ex. Et du coup, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, ils ne sont pas fait la guerre, tu vois ce que je veux dire? C'est juste ce qui arrive. L'amour, ça se contrôle pas, frère. Les sentiments, ça se contrôle pas. Les feelings, ça se contrôle pas. Les déclics, ça se contrôle pas. D'un côté, moi, alors, une fois tête reposée, je te comprends, je comprends ta réaction. Peut-être elle a été faite d'une manière un peu brusque pour certains. Ouais, mais après, c'est des choses qui arrivent. C'est bon, on n'a pas 15 ans. On ne va pas se tailler les veines. On ne va pas sauter d'un toit parce qu'il s'est passé ça, tu vois.
Vraiment, après, si attends, attends, c'est moi qui dis ça, alors c'est moi qui voulais sauter d'un toit il y a pas longtemps, mais allez, tranquille, t'inquiète. Non, mais hier, Lion, il a voulu sauter d'un toit aussi, et c'était pour une meuf. Toi, si t'as tes soucis, on peut comprendre. Autre chose, tu sautes pas d'un toit pour une femme. Mais attends, on t'a jamais accaparé tout le mal, hein, Calvin. T'as tes parts de tort, mais Lion a ses grandes parts de tort aussi. Hein. Je sais que j'ai eu tort, j'ai abusé, comme j'ai dit, sur le fait de vouloir me rapprocher de Mia. Mais c'est bien, déjà, tu t'en rends compte et tu vas de l'avant. C'est ce qu'il faut. Le problème de Lion, c'est que j'ai l'impression qu'il reconnaît pas trop ses torts et qu'il... En fait, il manque beaucoup de maturité, Lion. Ouais. Oui. Dis-toi, là tout à l'heure, quand vous attendez au quartier, avec... Attends, c'était Larry, on est parti, Larry, Lion, dans le garage. Fais ton lacet, Valentina. Tu sais ce qui s'est passé? C'est que, je sais pas, c'est qu'en fait, on rentre et tout, je parle avec Lion, frère, il me coupe la parole toutes les deux secondes. C'est quoi? Je lui dis, nique ta grosse mère là. Et je suis parti. Il a changé depuis la France. Frère, les States, ils l'ont monté à la tête. C'était ça. Surtout Mia, le truc Mia Calvin, ça lui a monté à la tête. Ça lui a fait péter un plan en plus. Voilà. Franchement, si vous avez des trucs à me dire, dites-les moi. Moi, j'ai rien à dire, frère. Moi, ce que j'avais juste à dire, c'est le fait que... Ouais, je sais que j'ai abusé. C'est ça. C'est que tu prends pas l'ex d'un membre du quartier. C'est pas possible. Après, comme je t'ai expliqué, c'est comme si Ryan et Valentina séparaient et que j'allais voir Ryan. C'est pas possible. Après, tu vois, c'est pas le même couple. Ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ça a été un couple à info et ça n'a jamais... Même si ça marche pas, c'est pas possible, tu touches pas. En 5 ans, ils sont jamais touchés un de l'autre en 5 ans. C'est pas grave, ils prennent leur temps ou c'est parce que... C'est pas écouté, Lion l'a aimé. Ouais, certes, Lion l'a aimé, mais... On touche pas... Oui, mais on touche pas... Oui, mais parce que ça lui a fait un déclic. On touche pas la meuf d'un pote, c'est pas possible. Mais... Oui, ça, je suis d'accord avec toi, mais certes, Lion l'a aimé, mais... Je suis désolé, mais ses attitudes et tout... Même si devant lui, il faisait... Mais ouais, mais je suis désolé, un homme, ça se voit à son attitude, s'il aime vraiment... Chacun exprime ses sentiments à sa manière, c'est tout. Il y a pas de... C'est pas parce qu'il montre pas... C'est pas parce qu'il nous montre pas à nous qu'il aimait pas forcément lui, tu vois ce que je veux dire? Moi, si jamais j'aime quelqu'un, je vais pas vous montrer tout de suite à vous, tu vois? Ça va prendre du temps. Non, c'est pas ça. Non, mais je sais ce que tu veux dire, mais c'est pas parce qu'il montrait pas que forcément il fallait... Oui, mais ça, vous savez pas. Peut-être qu'il l'a montré à sa manière, mais personne ne le savait. C'est ça, c'est... C'est pas parce qu'il le montrait pas ou qu'il le disait pas que forcément il faut... Ça se voyait dans ses réactions, même toi tu me l'as dit, Calvin, que c'était... Ouais, non mais moi, tu vois, ces réactions-là, je les ai remarquées à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à Mia. Par contre, la voiture, là, ça fait deux fois qu'elle passe. Non, je vous dis, il faut qu'on fasse attention à nous. Celle-là, elle est belle, elle est rose. Non, ça, je sais, c'est Jean-Kévin. C'est Jean-Kévin. Kevin, tu sais pas lire? Après, je voulais plus de filles dans le quartier, c'était sûr, ça allait pas. Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait, Calvin. C'est pas possible que dans le quartier il y ait ça, des trahisons entre nous. Et oui, donc on est d'accord, je suis pas folle. Ah non, on est une famille et tu prends pas la meuf de même s'ils sont plus ensemble. De ton frère. Exactement. Voilà, je pensais que j'étais débile. Je suis plus avec Ryan. Et que j'allais le draguer, tu vois, c'est pas possible. Voilà. C'est ridicule. Et Abdel venait me draguer. Oui, voilà, c'est pas possible. C'est impossible. Et je trouvais ça débile et je lui ai dit directement. Genre, quand j'ai appris qu'il commençait à la draguer, j'ai dit directement stop, ça suffit, ça va partir loin. Voilà, c'est ce qui lui semblait. C'est impardonnable, franchement. Oui. C'est pour ça que je lui ai dit, moi, tu me déçois énormément de la façon dont tu te comportes. Et c'est normal que je pense que Rhett ait accepté que Lion lui mette un coup de batte. Mais en fait, moi, j'ai pas suivi du tout. Moi, j'ai eu un gros problème de tête. Je sais même pas ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, etc. Bah, moi, j'ai été au courant quand c'est fait. Rhett, il m'a pas raconté. Mais en fait, Lion, il a appelé pour lui demander. Il a dit là, c'est trop. Il en fait trop avec Mia. Il fait trop des trucs devant moi. Je suis en train de péter les plombs. Est-ce que je peux prendre la batte et m'en occuper? Et il a dit oui. Ouais. Mais c'est normal. Moi, oui, c'est normal. Oui, je suis d'accord. Parce que ce coup-là, oui, parce qu'on lui a déjà prévenu à Calvin que c'était trop ce qu'il faisait, etc. Il a pas voulu qu'on... C'est ça. Bah, c'est sûr. Mais Mia, fallait pas la laisser toute seule, c'est tout.
D'un côté, ils ont tort tous les deux, tu vois. Ils sont dans le fautif tous les deux. Ouais. Là, je te le dis, vraiment, faut qu'on soit parano. Hein. Ah, mais là, je suis parano maintenant, c'est mort. Faut plus rester seul, faut plus rien faire là. Moi, je sais pas toi, mais je m'étais pas dit que les États-Unis c'était autant dangereux. On allait arriver, tu sais, on veut découvrir. Moi, je savais que c'était dangereux. Autant qu'il y avait quelqu'un de notre groupe. Ils savaient qu'on était. Quand ils ont su qu'on était 12, déjà, ça a fait le déclic à tout le monde, tu vois. Tout le monde voulait travailler avec nous, tout le monde voulait savoir ce qu'on faisait, etc. 12, ça passe pas inaperçu. Ouais, c'est sûr. 12, on savait qu'on allait faire quelque chose. On n'est pas là en groupe d'amis pour aller voir des fleurs ou visiter. Ouais, c'est sûr. Ça va être très bien qu'on allait faire quelque chose. C'est sûr. Donc maintenant, faut être très vigilant et rester tout le temps au moins 2 ou 3. Jamais tout seul. Ah, oui. Et nous, comme on est des femmes, désolé, hein, mais on va devoir rester avec un homme à chaque fois. Ça, ou alors avec. Ah, mais pas le choix. Voilà. Donc là, on va tous passer notre PPA, pas le choix, parce que si on se fait choper par les flics, on aura au moins notre PPA. C'est trop important. Ok, go. Hein. Ok, tu te sens en danger et tout, mais il y a plein de trucs comme ça qui c'est des incohérences en fait qui font. Ouais, venez, on qui les font que... on la laisse de côté. Venez, on la laisse de côté. Tiens. Ah, juste une beauté, ça me suffit, stop là. Merci, mais du coup, Calvin, c'est eux qui t'ont rapporté à l'hôpital ou c'était quelqu'un d'autre? En fait, ils m'ont pris à l'hôpital, ils m'ont rapporté à l'hôpital. Ouais, c'est qui lui? Ils t'ont rapporté à l'hôpital? Qui lui? Mais c'est Larry. C'est une... Hein? Mais j'ai trop peur. Franchement, avec lui, j'ai pas vous mentir, j'ai pas eu les couilles de leur demander, je voulais leur demander. J'avais envie, tu vois, le mec, c'était genre voix imposante, personne imposante. Il m'a dit, je vous ai vu, parce que je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais dû lui dire. Bah, propose-moi du travail, mais le problème c'est qu'il y avait 3 guns devant moi, des battes de baseball. En fait, je connais pas le mec, tu vois ce que je veux dire. S'il se disait un truc de travers, je mourrais. Et ils me l'ont dit. C'est pour ça que j'ai donné. Désolé, j'ai peut-être donné des informations, mais les informations, c'est des informations bidons. Bon, attendez. C'est soit ça, soit je canais. Ou j'avais des souris, des serpents. C'était tout ça. Les amis, c'est pas que je vous aime pas ou quoi que ce soit et tout, hein, mais ça, je fais à tout le monde, donc vous allez tous faire. On va faire un gros câlin de groupe, sa mère. Allez, voilà. Donc, viens ici, Larry, viens. Oh, j'ai fait des câlins, je déteste ça. Ah, Zebi. Pourquoi? Viens. Pourquoi? Mais viens, Zebi. Je suis trop petite. Ah bon? Dans ce moment-là, on a besoin de tout le monde, les gars. Faut pas rester seul, faut rester Collez-vous et qu'on baisse pas les bras, qu'on... Larry, je faut aussi remonter la tête. Pour ça, parce que tu l'es... C'était une très bonne amie à toi aussi. Allez, câlin général. Oh, je vous fais des bisous à tous. On a jamais connu ça, l'équipe. On a jamais connu... On a jamais connu un mort de notre équipe. C'est la première fois qu'on vit ça. C'est la première fois en... C'est compliqué. En des mois et des mois. Et là, on a besoin de tout le monde pour surmonter cette épreuve. Tu parles à Ryan. Et il va pas falloir peser les bras. Tiens, je t'achète une gomme, Miguel, là. Hop, je te le tire. J'ai parlé à Ryan, il m'a dit qu'il va changer la hiérarchie pour la semaine. C'est-à-dire ? Il m'a dit qu'il allait faire une nouvelle hiérarchie pour la semaine. Ok. Ah, les gens vont passer petit. Des gens vont passer habitants. Je sais pas ce qui va se passer, mais voilà. Je vais en passer un bitant, je pense, et d'autres vont et je lui ai parlé, et Red, il m'a dit exactement la même chose que je t'ai dit au téléphone. Par rapport à l'histoire de Leon et Aaron. C'est-à-dire que tu m'avais dit quoi? Que c'est une dinguerie ce que tu as fait, et que jamais un habitant il frappe un petit. Ah oui, ouais, c'est vrai que c'est un habitant, j'avais oublié. Moi, je peux être habitant, pas habitant. Si quelqu'un fait ça, je réagis pareil. Après, c'est... On pense pas tous pareil. Moi, je... Non, Ryan, merde. Il est au bled, là. Il est en vacances. Regardez, il revient que dans une semaine. Gina et moi, on monte grand pour la semaine, donc on l'écoute, vous nous écoutez. Ah, j'avais pas vu. Il vient de le mettre un instant. Pourquoi c'est... Mais pourquoi moi, je monte pas? On va pourquoi je monte pas là, clairement. J'ai réglé pratiquement tous les soucis, j'étais là pour tout le monde, mais je monte pas, je comprends pas.
Bref, c'est pas grave, continuez de faire nos preuves. Voilà, c'est pas que je vous aime pas, vraiment, je vous aime tous, mais j'arrive plus à tenir. Je suis trop fatigué, je vais me reposer un peu. Vas-y, mimi. Demain, je serai là et tout. Plus. Mais là, je dois trop me reposer. Faites attention à vous. Eh, vous me tenez au courant par rapport au rendez-vous. Enfin, vous avez compris, je vais me reposer, je vais m'allonger dans l'appart. Mais s'il y a un problème ou quoi, vous m'envoyez un petit message en dessous, en dessous de l'appart et je suis là. Vas-y, pas de soucis. Qui a quitté le groupe famille Léon. Okay, non, il est toujours là. Non, il y est plus. Si, il est toujours là. Non, il y est plus. Non, il a retiré. Il a quitté hier. Non, en fait, il a quitté hier, mais je l'ai ravité et là, il a requitté. Mais non, je le vois plus. Bref, tu vois. Enfin, bref, non. Mais si, ça je aussi. Le vois encore. Non, je te jure, il y est plus. Crois-moi, j'ai la possibilité d'ajouter Léon et si je l'ajoute là, maintenant, il y sera. Mais là, il y est plus dans le groupe. Mais pourquoi moi, je le vois wesh. Non, ah oui, tu vois ses anciens textos, mais là, tu non, vois. Non, je vois, il est habitant. Non, pas là. Pas un message. Ah, qui oublie pas, on est au state, ici, la technologie, elle est développée, je l'avais appelé. Voilà, c'est pas comme en France, frère. Bon, moi je vous fais confiance, faites attention à vous. Et surtout, hein, je vous casse les couilles avec ça, mais allez faire votre PPA, parce que tant qu'on n'a pas de casier judiciaire. Je fais demain. Ah, mais toi, t'as pas pris de casier judiciaire? Ah, je sais pas, mais en tout cas, le flic, je suis parti là, tonton, elle est speedy et tout. Avec Cinéa et. Ils t'ont pris des Larry. Photos et tout? Mais non, attends, il m'a dit qu'il faut attendre un peu que la tablette s'actualise, donc du coup, je vais passer demain. Mais en tout cas, il m'a même pas parlé de mon casier judiciaire, il m'a rien dit du tout. Et gros, ils vont pas me casser les couilles pour ça. Genre, je suis même pas sûr qu'ils l'ont noté quelque part, vraiment. Et au pire des cas, même s'ils l'ont noté quelque part, je vais faire supprimer ça, comme d'une façon ou d'une autre. J'y vais, comment te dire, je vais mettre en action mes talents de manipulateur. Tranquille. Pourquoi un blanc comme ça d'un coup? Je sais pas, moi. Bon, bonne nuit. Bonne nuit, Miguel, bonne nuit, dors bien. À demain, Miguel. À demain, les amis. Hep, s'il vous plaît, pas un autre mort ce soir. Ni demain, ni après-demain, ni dans la semaine. S'il vous plaît. Donc ça, non, si vous cassez les couilles ou quoi, bah, on va se laisser faire, tu vois. Parce que là, non, on n'a pas le choix. Est-ce que vous avez reçu la notification du live ou pas, les gars? J'ai l'impression qu'il y a un gros bug de notif parce qu'on est que 20. J'ai l'impression que tout le monde n'est plus là. Quelqu'un meurt, ouais, Mia. Mia se fait buter. Parce qu'elle a pas joué son fier. Du coup, elle se fait buter par. À ce que j'ai compris, Fares, je crois. Le Fonda. Oh là. En fait, Mia s'est fait kidnapper par les mêmes mecs que hier. Et elle s'est fait pointer. Enfin, ce qu'on m'a expliqué à HRP. Hein. À HRP, on m'a expliqué que du coup, elle s'est fait pointer par un flingue sur la tempe. Elle avait de l'essence, etc. Et elle a pas joué la peur, etc. Elle a juste dit ça va faire paf ou boum, je sais pas quoi. Et du coup, bah, ils l'ont tué. Ça va, Cinéo? Ça va. Faut que demain, on aille passer le PBA. Ouais, mais je pense que je vais passer là, moi. Et c'est ouvert? Je sais pas, on va voir, en vrai. Et vu qu'on a le rendez-vous italien, moi je comptais y aller, là. Ah oui, c'est vrai. Et... Putain. Mais imagine, il va pas, je sais pas. Ouais, on ira juste après. Me fais plus peur comme ça. J'ai trop peur. C'est
déjà enfermier, on va faire toi parce que tu suis. J'ai pas fait exprès, je vais mourir. Vas-y, attends, bouge pas. Je reviens, je vais prendre de l'eau dans ta banane. J'arrive. Après, c'était le royaume, je sais pas quoi. Là. Tu me voles ? Ils volent ta boisson, là, fais gaffe. On sait pas, enfin, RP, on sait pas. HRP, on m'a dit que c'était Walid et Fares. Donc, voilà. Après, moi, je mets pas le HRP et le RP, tu vois. Ouais, quoi. Oui, mais des infos dans un quartier, c'est très important. Il fallait que quelqu'un le fasse, tu vois ce que je veux dire? Comme moi, par exemple, moi, il me considère comme la meuf qui écrit tout. C'est ce que je veux dire. Donc je pense que je vais m'arrêter sur les notes et montrer d'autres preuves, parce que si je monte pas à cause de ça, clairement, c'est ridicule. Je vais arrêter de prendre des notes et puis je vais commencer à faire d'autres choses. Et puis les notes, bah, il faudrait que ce soit les autres aussi qui écrivent. Clairement, ça me saoule. Je vais pas vous mentir, là, j'ai pas compris pourquoi Larry et Valentina sont montés. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour monter et que comme ça, je reproduis aussi pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que l'illégal, je comprends pas. Donc, enfin, j'ai jamais fait d'illégal. Et du coup, savoir comment ils ont fait pour monter, ça m'intéresserait. Parce que moi, je pensais que c'était juste ça et voilà quoi. Peut-être que Ryan ne sait pas tout ce que t'as fait. Peut-être, même. Bon. Moi, je suis pas là à dire, moi, j'ai fait ça, regardez, je suis là, coucou, tu vois. Pourquoi tu l'aimais bien, Mia ? Bah, je peux pas dire que je l'aimais bien ou que je l'aimais pas bien, tu vois. Ouais, lui aussi, il fait le coup. Mais t'es attaché ? Je peux pas dire que j'étais attaché, clairement. Ah ouais ? Mais j'ai toujours eu des différends avec Mia depuis la France, ça a pas changé. Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur de savoir qu'un de nous s'est fait tuer, quoi. J'ai essayé d'être gentil là depuis, mais c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. C'est Calvin, c'est Aaron. Je suis sûr. Aaron. En rouge. Jusqu'à 200% que s'il n'y avait pas eu le problème avec Lion, rien de tout ça ne serait passé. Oui, ça c'est ce que j'ai dit depuis le début. J'ai toujours essayé de réparer leurs bêtises. J'étais à la mine quand ils ont fait ça. J'ai appelé, j'ai tout fait. Et... Voilà, après, je peux pas non plus les. Je peux pas non plus leur dire c'est pas bien, arrêtez, genre je peux pas non plus le prendre leur téléphone ou tu vois. Non, ou les séquestrer dans la cave ou quoi que ce soit, c'est pas possible. Et pour moi, de là à ce que Lion il ouvre le crâne à Aaron, enfin à Calvin. Oui, par contre le coup de batte, c'était trop, il aurait pu au moins le taper un petit peu, tu vois, mais pas à coup de batte. Mais même... Non, arrête, non, il a déjà discuté avec lui, je sais pas combien de fois, il a pas voulu comprendre, bah voilà, écoute, au bout d'un moment... Faut que ça rentre dans le crâne. Mais sauf que là, Aaron, il faisait juste parler. Genre, il a taquiné. Non, arrête, tu sais très bien, toi et moi, que Calvin, il le kiffe. Enfin, il kiffait Mia de ouf. Oui, il kiffait, mais il parlait juste. Il a pas fait de la... Arrête. Oui, mais... Déjà, pour moi, la bague, le boulon au doigt, c'est déjà une preuve. Pour moi, c'est tout. Après, dire qu'elle est très belle, la complimenter, la protéger, pour moi, c'est tout ça. Mais je le dis clairement, je le dis. Donc voilà, c'est d'un mec. Moi, si Valentina m'aurait fait ça à mon mec, oui, c'est sûr que j'aurais pété un cap comme ça. Oui, mais tu totalement normal. Je l'aurais frappé. Mais je suis violente, je m'en bats les couilles. Tu fais pas ça, c'est ridicule. La famille, on est une famille, on n'est pas des étrangers. Ah, après, c'était son ex. Oui, mais même si c'est son ex, il l'a aimé. Ils sont restés plus de 5 ans ensemble, c'est normal qu'il soit comme ça. Oui, c'est normal. Si vous n'avez pas la notion de amis, restez pas amis, alors détestez-vous et restez pas ensemble. Enfin, je sais pas. Moi, je supporte pas ce genre de comportement. Tu voles pas la meuf de quelqu'un, c'est pas possible. Mais après, moi, je trouve juste ça exagéré que Rhett, il a dit
Non, moi je le comprends totalement. Moi, on m'aurait fait ça. Moi aussi, j'aurais aimé qu'on me dise oui pour le taper. Clairement. Mais taper au pire des cas, je dis juste. Oui, après la batte, c'est ce que j'ai dit. C'est réuni, peut-être trop. Il est réuni au quartier, discute entre vous. Et après, Reddy fait le choix de. Non, mais tu sais, on a déjà discuté. On était tous là. Non, ils ont discuté, il s'est rien passé. Non, mais Red, il dit à Lion de tabasser Aaron, mais pas avec une batte. Avec une batte, à tout moment, on aurait pu perdre. Oui, après ça, c'est ce que je t'ai dit. Il a mal géré sur ce coup-là, mais l'attention, c'était tapé. Ouais. Mais on a déjà discuté plein de fois avec Calvin pour qu'il comprenne que c'est pas possible, qu'il devrait pas faire ça. Il a pas compris. Ouais. On arrive. Bah, dis-nous. Vous en pensez quoi? Il y a deux mecs qui cherchent à bosser. Et je vous explique. Il y a deux mecs à skip qui cherchent à bosser ou je sais pas quoi. Là, dans le coffre, on a 5800 euros. Mmh. T'es d'accord? On les fait bosser, on leur. Ah merde. Miel, M. Calvin, je sais pas du tout. Ok, arrête. On les fait bosser, on leur dit vous allez cambrioler, vous nous ramenez les objets. Nous, les objets, on les rachète à 25 euros unité. Ah putain, ZB. Les objets, on les achète à 25 euros unité, mais sauf que nous, on les revend à 50. Vous en pensez quoi? Ça peut faire un bénéfice sans rien faire? Tout ce que tu as décidé, maintenant je suis. Moi, ça peut être bien, mais ça... si l'équipe de cœur t'est au courant, on est baisé. C'est. Bah, en soi, on les revend à eux. On les revend à eux. Bah, ouais. Juste nous, on fait notre bise, tu vois. Moi, je veux juste. Mais moi, je veux juste savoir c'est qui les mecs. Vous pensez que c'est mieux que j'en parle à Kurt? Ouais. Faut vraiment on parle à tout le monde, faut qu'on soit entre guillemets pas leur pute, mais. Il est là ce soir, Kurt? Je sais pas. C'est quand le rendez-vous avec tes patrons, Cinéa? J'ai toujours pas de réponse. Dans 10 minutes, quoi. Ouais. Essaye d'appeler Kurt, hein. Comment on répond sur Twitter? I don't know. Je vois tout le monde répondre, mais je sais pas faire, moi je connais rien. Essaye de cliquer à côté de la publication, peut-être. Je suis. Attends, je vais essayer. Ouais. Report, normal. Ah, c'est bon, je trouve. Non, il est pas là, il répond pas. Comment ça? Il y a la voiture qui est en feu, c'était celle-là, Calvin? Laquelle? C'était une. Comment s'appelle? Une F620, je sais pas si tu vois ce que c'est. Attends, je vais guetter, allez. On va voir un peu tu en peux, bas. Tu peux faire elle un salon? Tu peux faire là, ils avaient un rendez-vous avec les families et les balas. Tu peux faire un salon Twitter sur internet? NHH? Oui. Les mecs là qui veulent bosser pour nous, là ils avaient un rendez-vous avec les Ballas et les Families. Non, c'est pas cette voiture là. Tu connais leur nom? Ouais. Ça s'appelle comment? Les gars, vous voyez Easter, le mec avec son haut du Barça? Et James. T'as dit quoi? Tu vois El Mougli ou pas? James. Over. Ouais, mais ça, c'est le temps d'adaptation, Roddy. C'est que je suis pas dessus là. On a toujours dit heureux, c'est pour ça que c'est perturbant. Vite fait un truc. T'inquiète, alors... ça va se passer. Après, il y a un mec qui m'a braqué, il avait la même tenue. Et il était masqué. Exactement le même home après, ça veut rien dire. Bah, c'est. Ça peut être juste à pas oublier quand même. Juste à pas oublier El Mougli, il faut trouver son blaze. Et même s'il avait la sacoche et tout, ouais, c'est. Après, à voir, à trouver directement, à essayer de s'informer là-dessus. Tu peux noter, s'il te plaît, Signia, ça dérange pas? Vous pouvez noter aussi. Je suis pas. En vrai, j'en ai marre de noter maintenant. Vas-y, y'a pas de soucis, t'inquiète. J'ai pas envie que vous disiez, genre. Enfin, disiez, je sais dis pas, mais. Mais j'ai pas envie que vous vous dites, genre, Signia, elle est juste là pour écrire, tu vois. J'ai pas envie d'être secrétaire. Non, moi, je suis là pour monter. Je comprends. Non, y'a pas de soucis, t'inquiète, y'a pas de soucis. Parce que je sais que t'aimes bien faire ça, c'est pour ça que je te demande. Ouais, mais j'ai l'impression que maintenant vous m'associez à ça. J'ai peur, c'est pour ça. Non, pas du tout. J'ai besoin non, de montrer, non, mais j'ai besoin de vous montrer autre chose que je sais faire que écrire, tu vois. Jamais de la vie. Vas-y, hein, t'inquiète. Quoi.
T'inquiète pas, Phineas et Ferb. Quoi, y'a pas le numéro de l'Amination? C'est Miguel qui l'a. Attends, je sais trouver. Et on va avoir le rendez-vous là? Toujours pas d'appel. Il m'a dit 3 heures. On va voir. Hein. On va voir s'ils sont ponctuels. C'est une mafia italienne en soirée. Yo, ça va et toi? Mais vous devez prévenir les parents de Mia sur Dragon comme quoi leur fille est morte. Elle a plus de parents. Ils peuvent nous proposer. Hein. Enfin, s'ils peuvent nous mettre sur des missions, je sais pas si par exemple. Mia, elle avait tout abandonné. De couteaux, de quoi aller choper des gens, être rémunéré, ça peut être intéressant. Hein. Je sais que la mafia italienne en général, ça se. Ça se mouille pas. Pas. Ouais, c'est ça. Ça envoie toujours des gens. Ça va pas se mouiller, c'est pour ça. Ça peut être intéressant de faire ça, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, ce genre de choses. De toute façon, on est obligé de passer par là. Hein. Si on veut être bien vu au nom d'une mafia, si on veut qu'une mafia nous remarque, être bien vu au nom d'une mafia, on va être obligé de, on va dire, d'accepter certaines missions. Ouais, bon, ouais, on va devoir se rabaisser. C'est dur pour tout le monde, mais on va devoir se rabaisser. Rabaisser à une mafia. Je préfère me rabaisser à une mafia qu'aux Vagos, ouais, exactement. Là, ça veut dire que si on se rabaisse à une mafia, on peut avoir leur protection. Et avoir la protection d'une mafia, ils sont armés, mais pour l'instant, moi, on a j'ai rien. Déjà leur protection à la mafia. Ça peut nous lancer. Ah, pourquoi il y a Lion sur l'intranet? Je sais pas. Parce que c'est parce pour qu'il a, il l'a pas viré, il lui a juste dit pour l'instant tu rends les clés et je parlerai avec toi. Le temps d'une semaine. Ah oui, et d'accord. Tu... En radio. Peut-être qu'il attend quelqu'un. Ah. On veut quoi là? On attend la pause. Attends. Mais je vais me changer, je suis plein de sang, je reviens juste après. Je vais avec le coup. Vas-y, on va avec lui aussi. J'ai pas compris qu'il a changé là-bas. Calvin, attention à l'échelle. Ah, mais c'est parce que vous de mauvais souvenirs ici. Ah, mais c'est parce que vous passez par là. Attends. Vas-y, moi je fais. Bah, en vrai, par là c'est bien aussi. Mais ici. Oui. Doucement. C'est toi que t'étais pas pour moi, t'étais pas là. Ah. Parce que. Pour moi, t'étais en bas. Pas là. Trop vif. Oui. Moi aussi, j'ai peur. En plus, j'ai le vertige. Je vais faire les comptes, voir il reste combien. Ah mais Calvin, tu vois la note que t'as mis? Mets-le sur Twitter, ouais. On a fait le truc Twitter exactement pour ça. Ok, pas de soucis, je vais faire ça après. Ah oui, je vous ai pas dit. Tout à l'heure, il y a Kurt, il est passé en vif. Il m'a dit, si tu veux, je peux t'acheter 100 objets, mais il faut vraiment que tu sois là dans 5 minutes. Du coup, il est passé. Il est passé au quartier, on a vendu 100 objets. Okay. 5000 balles. Oui. On avait déjà 100 objets, putain. Ouais. Bah ça va vite hein. Ça va très vite. Vas-y viens, monte. Prenez deux véhicules du coup. Ouais, deux véhicules, bah ouais. Vas-y, attends, je reviens normalement, j'ai un véhicule dans le garage je crois. Vas-y, on va prendre celui-là. J'ai oublié qu'on était 5, je suis typique. Il l'a mis en travers la voiture. Ah
qu'il n'a pas touché. C'est vraiment, tu l'as éclaté. Aïe. Oh, ouais. Ah. Wesh, les vitres, elles explosent. Et toi, ils t'ont fait aucun mal, du coup. Ils t'ont pas touché. J'ai parlé pour eux. J'ai dit des trucs intéressants. Okay. Bah, tu leur as dit la vérité, donc ce qu'ils avaient envie de savoir, quoi. Et en aucun cas, je vous mens. J'ai vraiment dit ce que je vous ai dit. Non, mais je te crois. C'est en bas, c'est en bas. De toute façon, à part faire des cambriolages, y'a rien à dire, hein, sur le quartier. De toute façon, s'ils étaient au courant de quelque chose, ils m'auraient cueilli. Oh là là, je vais acheter une arme. Oh là là, je vais acheter une arme. Ouais, vends-moi une arme. Oui, vends-moi une arme. Là, il veut pas. C'est rats. C'est des rats. Mais par contre, du coup, aux Italiens, moi j'ai dit que on était juste un groupe de potes et qu'on faisait pas les gangsters, etc. Tu vois. Qu'on faisait pas quoi? Les gangsters. Tu cherches quoi? Je vais chercher de l'argent. Juste au-dessus. C'est intéressant. Intéressant, on va leur dire que nous, en gros, on est des gens, on a des embrouilles avec personne, que les gens, ils... Ah merde, l'autre problème, c'est que... Mia. On sait pas qui l'a kidnappé, ça peut très bien être eux, hein, en cas... Mm. On va leur dire cash, on leur dit on avait une habitante qui était trop proche de trop de trucs et que voilà. Ouais. On a cash avec la carte de l'honnêteté. Hein, sur eux, oui. Sinon, on va avoir des soucis avec la mafia et avoir des soucis avec la mafia. Lion, il m'appelle. Je vais m'habiller comme ça maintenant. En vrai, il faut jouer classe. Je sais même pas comment m'habiller en vrai. Ouais, je vais rester comme ça, Balek. Au point de vue là-dessus, tu vois, y'a pas de soucis. Ouais, je sais. Je vais m'habiller comme ça. Oh, quoi? Ah non, je crois que j'avais pas de t-shirt, j'ai eu peur. C'est trop mignon, j'aime trop ma tenue, regardez ça. Avec le t-shirt et tout. Faut que j'aille retirer en vrai, je sais plus. On va mettre costard et tout, on va faire classe. Merde. Tu devais travailler après ton PPA normalement. Ouais, mais j'ai eu un gros problème de co, je pouvais pas travailler, c'est pas possible. Ah merde. Coucou Snappy, bah écoute, ah, bien, ouais. Elle est bien la veste ou pas? Pour aller voir les stagiaires ou juste pour toi? Non, juste pour moi. Ouais, je trouve que ça fait un peu pyjama. Genre c'est un peu... tout doux la veste un peu en indirect. Tu vas aller voir les Italiens en costard. Est-ce que là c'est bon au niveau de mes gants? Vous voulez pas qu'on s'habille classe, non? Oubliez pas qu'on veut être une notre budget, c'est d'être une organisation. En vrai, s'habiller classe, c'est le meilleur truc à... En costard, genre? Ouais, ou col roulé comme un. Ça fait pas chauffer, costard? Genre en mode, ils disent pas, Je vais pas m'habiller en costard, je m'habille classe. Non, tu m'as poussé.
Excuse-moi. Allô. Et après, en vrai, habillez-vous comme vous voulez. Moi, c'est justement, j'ai envie. Moi, je m'habille assez classe, tu vois, pas costard, mais je m'habille. Parce qu'il va falloir s'habituer. Si un jour on est officiellement une organisation, on sera classe. Hein. Ouais. Et celui qui va me faire le plus rire quand je vais le voir en classe, ça va être Ryan, ça va être un délire. Tu sais que je disais, ouais, les habits 720, ça me saoule, mais ça me manque un peu quand même. Il y a la casquette au magasin. Ouais, mais non, je parle. Col roulé, c'est quoi? C'est veste ou torse? Enfin, t-shirt ou torse? C'est dans le rayon torse 249. Le 249, et Arctic. Et t'as une barbe. T'as acheté une fausse barbe aussi. Pourquoi j'ai une barbe, moi? Je suis un gars à porter une barbe. Valentina, elle est bien la tenue. Ouais. C'est quoi ton bas, s'il te plaît, Noël? Catalogue 65. Ah, je croyais qu'il le critiquait en disant ça. Et en haut, vous avez mis quoi? En t-shirt? J'ai mis. J'ai mis une chemise. Rayon 15. Rayon 15. Ok. Je vais peut-être mettre une chaîne en vrai de vrai. Oh non. Me pousse pas, s'il te plaît. Et en bras? Attention, Valentina, parce que je suis. Rayon 26. Ok. Voilà, oh, ça fait. Oh. Et le pantalon, c'est lequel? Ça fait kiffer, ça. C'est lequel le pantalon? Pantalon 65, rayon 65. Ça, je kifferais trop le mettre, mais on va pas le mettre parce que on va me prendre pour un gangster. Et... Ah, je le mets sans gun, non? J'ai vite enlevé cette sacoche. Oh, jette-la ta sacoche. Est-ce que mes gants, ils ont des trous, s'il vous plaît? Non. Et chaussures, vous avez mis quoi, vous? Air Force. J'ai pas encore fait. Je crois que j'ai mis des Air Force aussi. J'ai mis Air Force noir et blanche. Parce que flemme de marcher avec des palmes. J'ai mis elle, moi. Il y a un distributeur ou pas? En haut. Oh. Et là-bas. Tu veux que je te retire? Donne des sous. Mais j'ai rien là, mais tu veux que j'aille? Non, t'inquiète. Je sais pas si je mets des Air Force blanches ou noires. Mais mets les mêmes que moi. Elle. Je vois rien avec mon pack. Non! T'as pas de thune? Non, c'est pas ça, c'est que. Il l'a pas mis dans sa carte. Non, j'ai voulu effacer une lettre, mais. Ouais, ça. Voilà, c'est bon. Comment on écrit coaster, s'il vous plaît, j'ai oublié. J'adore. Non. Comme ça, je trouve ça trop. Non. T'as fait la même? Oui, frère. Ah ouais, Snipey. J'ai une tenue merde. Coaster, merci. J'aime bien, moi. Oh, je kiffe. C'est que ça me rappelle des souvenirs. C'est bon, là, ça fait bien habillé ou pas? Ce col roulé. C'est bon, ça fait classe, là. Ah, col roulé. T'aimes pas? Moche. Moi je trouve ça. En vrai j'aime bien, c'est le pantalon. Mais je le voyais. Vous le voyez bleu ou noir? Moi je le vois bleu maintenant. Bleu. Là-bas je le voyais. Putain, je le voyais bleu là-bas. Moi. Enfin noir là-bas. Aïe, ouais. Alors, c'est quoi la meilleure tenue entre ceux de E2 et moi? Entre les deux et moi. Ils ont la même. Les deux. Je vais retirer. Je te. Ah, je le voyais noir mon pantalon. Deg. Comparé à la V7, les meufs, vous avez des vêtements. Oh ouais, oh que oui, crois-moi.
Je suis en train de kiffer ma vie là. En vrai, je retirerai 200 au cas où je fais une bêtise. Ah mais c'est toi le... Ah ouais, on voit clairement... Bon, par contre, il y a des... Il y a des trucs qu'on peut pas mettre, ce qui est dommage. Par exemple, la veste là, avec le doudou dans la poche, ce qui est dommage, c'est que pour trouver et un t-shirt qui va avec ou les bras qui va avec, c'est très compliqué. Du coup, j'ai dû mettre un t-shirt qui n'a rien à voir avec la tenue. C'est pour ça que je trouve ça juste dommage, c'est ça. Mais en soi, les tenues sont juste incroyables. Il y a beaucoup de robes où c'est qu'on voit nos nichons. Ça, c'est pas... Voilà. C'est quoi le haut, vous avez dit? 230, je sais plus quoi. Là, il est noir le pantalon. Ouais. C'est mieux comme ça ou pas? Ouais. Ouais, ça fait. Les chaussures, je trouve, ça fait trop. Tu penses que je mets un haut noir en vrai pour une change de couleur pour me différencier? Ou on met tout? Comme vous voulez en vrai. Je sais pas du tout. Merde. Tu dois modifier tes bras pour pas que la poitrine passe à travers. J'ai déjà fait et il y a rien qui passe. J'étais tout testé. J'ai testé avec des gants, j'ai testé sans gants. Il y a aucune robe qui va avec. Enfin, la robe que je voulais, en tout cas, elle passe pas. Le col roulé, mais en fait, je vois pas grand chose du tout. Donc, putain, mon frère, il me doit 1000, 1002. C'est gris ou c'est blanc ça? C'est gris. Ah. Vous voulez qu'on mette tous les mêmes chaussures? Moi j'ai mis des Air Force noires et blanches comme eux. C'est ça? Non, c'est pas ça. Si, c'est celle-là, non? Ouais, ouais, ouais. Il est 3h12, ils ne sont pas zappés? Toujours pas. Oh, je vais essayer de renvoyer un message. Le pantalon, ça va ou pas? Honnêtement. Honnêtement, il est noir, c'est bon. Ah oh, ouais, les carrés, pour moi, les carrés. Ouais, c'est si toi tu kisses. Qu'on se met tous full noir ou il y en a qui changent? Oui, je mets full noir en vrai. Full black, ça fait bien. Ça fait un peu. Enfin, pas entièrement en vrai. Non, mais ça fait au moins organisé. Ça montre, tu vois, une part de propreté et d'organisation, tu vois. Ah là là! Là, mais il y a des trous. Moi, dites-moi s'il y a des trous dans mon gant au milieu. Non, comment je pourrais dire? Okay. Tu vas comme ça, toi, Valentina? Tu mets pas comme Ariana? Tu mets des gants? Ouais. Change ton haut, Valentina. Ah non, non, moi je fais comme ça. Ça vous dérange? Non. Moi je trouve bien comme ça. Ça fait pas professionnel, Valentina. Bah si. Je sais pas, d'accord. Tu crois? En fait, c'est le crop top qui dit tout. Ouais, c'est ça. En bas, il est hard et tout. Mais crop top, pas ouf. Le truc, c'est que j'ai vraiment du mal à voir les hauts. Je n'ai rien. Tu vas voir dans les couloirs. Non, non, je veux pas mettre un blazer. Parce qu'avec mon bas, ça ira pas. Tu changes la couleur. Ah ouais? Change la couleur, normalement ça va te. Ça va être les hauts, tu vas tous les voir. Tu demandes un. De retour sur Flash, ouais, ouais, ça fait longtemps. Hein. Ça fait 4 mois que j'étais plus sur Flash. Mm-hmm. Ça m'avait manqué, je vais pas mentir. Torse. Non, attends. Ouais, je te montre. Attends, je vais essayer de retrouver la robe. Tu changes de truc et après. Sans rien acheter, bien sûr. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Je crois que c'était dans ça. J'essaie de te retrouver la robe. Hein.
C'était... Où elle était, je crois qu'elle était plus loin. C'est quoi ce bordel? J'ai pas choisi ça. Mais... Oh là là... J'ai pas envie de faire une sieste pour ça. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Oh, trop stylé. Oh, dommage qu'il n'y ait pas en noir. Trop beau. Bon, elle est où cette robe de merde? Si tu trouves le col roulé, dis-moi. Ok. Je regarde. Ah! Non, c'est pas celle-là. Elle est juste après alors. C'est celle-là. La 376, celle qui cloche. On voit tous nos seins. Et ça aussi, il y a un problème avec les bras, etc. On peut rien mettre dessus. Genre, tu peux pas mettre un beau t-shirt, quoi. Ah, mais tu l'as en dessous. Oh, ouais, t'inquiète. Mais c'est... regarde, par exemple, c'est quand tu mets une veste, sinon ça... J'ai trop d'habits maintenant, c'est horrible. Ouais, c'est trop long. C'est cool, hein, mais quand on est pressé, fou. Aïe aïe aïe, aïe aïe, j'ai mal au cul, aïe aïe, les hémorroïdes. On est tous là, là? Ah, mon trou de balle, j'ai mal au cul. Ah, les hémorroïdes. Incroyable. Ah, on est tous là, Red? Bah, ouais, hein. J'ai déjà fait le tour ici en soirée, je l'ai pas vu. Moi je l'avais pas revu le col roulé. Ouais, je crois que je l'ai pas non plus. Je crois que tu vas devoir mettre une veste de costard. Non mais c'est pas grave, je reste comme ça. Non
Non mais ça fait bizarre, genre on est tous bien habillés, toi tu viens avec ta petite sacoche devant avec ton petit crop top. C'est bon. Vous aimez bien comment je marche ou pas? Putain, mais maintenant je prends les expressions de tout le monde, badass, tout. Est-ce que t'aimes bien comment je marche? L'autre... Mais l'autre ça, comment tu marchais à l'époque c'était... En vrai, j'ai envie de mettre ce t-shirt avec ce. Hein, Valentina? Bah oui, tu peux. Moi, je trouve que c'est pas. Ouais. T'aimes bien comment je marche ou pas? C'est mieux que ce que ton autre démarche, ouais. Parce que l'autre est trop bizarre, on dirait, t'as un souci. Bah non, c'est. J'ai les bras relâchés. Bah voilà, je suis avec ça. On sait qu'ils ont peur de moi après. Vas-y. Vas-y, tu vas en mettre tout ça. J'ai voulu venir comme ça aussi, mais je me suis retenu. La carotte était incroyable par contre. Tu notes ? Vas-y. Si tu veux, au pire, je ferai un tour de tout et je te dirai quel truc cloche si tu veux. Parce que, par contre, les plâtres, tout ça, je trouve ça juste incroyable qu'il y ait ça. Tu t'es cassé le bras. C'est pas incroyable en vrai. Et si, je l'ai vu, je me suis dit, si un jour l'hôpital ils me disent, je le mécoche. Par contre, t'as abusé sur un pantalon, frère. J'ai vu un pantalon, j'ai vu mon cul, mais énorme. Je regarde des pantalons, on a... genre le cul à l'air déjà. J'ai vu un pantalon cul à l'air. J'ai fait, what? What? J'ai dit, j'ai clairement dit... Le dev, il s'est pas lâché. Hein. Moi, demain. Enfin... Entre nous. Ou quand il y a Ryan, je sais pas. Comme ça, du coup. Ryan. Ouais, je pense qu'il y aura Ryan. Antina. On n'a pas le corps, c'est ça le truc qui me fait la. Tu veux que je mette le même ou je reste comme ça? Oh non. J'ai pas assez d'argent, j'ai le seum. Hein? Pour combien? Bah, je sais pas. Quoi? 34. Putain, j'ai cru que j'avais 200. C'est le 1. C'est le premier haut, de toute façon. Ouais, de toute façon, faut que j'aille chercher de l'argent. Pardon. Attends, j'ai 100, j'ai 100. Attends, viens, on a tous de l'argent sur nous. Big ass. J'ai 37. Bah attends, je te donne 100. Je me croyais encore en France avec plein d'argent dans les poches. Merci. C'est que là, maintenant, dès qu'on a de l'argent, on le met en banque. C'est ça. Trop peur. Moi j'ai jamais plus de 100 euros sur moi, j'ai peur de me faire raquette. Pareil. Moi je trouve que je suis gang. À chaque fois que j'ai des sous, c'est pour aller quelque part. Non. Moi je retire sur place. Tout à l'heure, quand j'avais 2000 balles pour aller à la course, et j'étais pas serein de me trimballer avec les 2000 balles. Hein. Non, ouais, on s'est trompé à chaque fois. On change de phrase. Donc mon père est mu, tu es dans cette affaire. À chaque fois, on dit euro, on est trop habitué à la France. 7-8. Toujours j'ai pas permis, je suis dans mes mauvais thèses. Ça prangue, ça canarde, chambella, sur la NORAD. Quoi? Quoi? Non, je refoule mon t-shirt. Bah. T'as vu comment ou pas? C'est dans... Ah ouais, ok, c'est là. Ouais. J'ai les gaz en esquive Giro. Grosse pétasse assise, avec plus de bif, on est heureux, j'ai les gaz en esquive Giro. C'est Coco Joe Ligue 1. Ouais, c'est... Moi, j'espère qu'ils vont nous contacter. Comme ça, du coup. Bisous, moi. T'as mis le tchè, ma tchè. Faut bosser, hein. J'envoie les billets. La lien chez nous, c'est forcé. Sur la voie de gauche, je suis déjà plus bas. Viens, je te parle. Ouais, non, mais on est trop habitué à dire Roro, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Toujours pas de nouvelles. Hein. Il y en a une qui m'avait appelé, j'ai pas vu. Le mec derrière, il a pas fait la course. Si, si, il a fait une course forcée. Ah si, il a fait la course, oui. Ils ont fait les courses, je crois. Ils ont participé aux courses. Moi, j'étais... Enfin, j'étais au courant, mais je savais même pas si... Je sais pas quand c'était, etc. Je vais juste retirer, du coup, 100$.
En tout cas, la V7 et la V8, waouh, c'est tellement différent. Clairement, la photo. C'est waouh, j'ai cru que c'était un autre serveur tellement. Je sais pas du tout s'il est arrivé premier. Je vais demander honnêtement. Oh, pardon. Ah ouais? On fait peur. Ah, je peux la... Tiens. De quoi? Tiens. Tu vas me rendre mes sous? Ah si. Putain, mais tu m'as donné tout à l'heure pareil donc. C'est pas grave. Et du coup, qui a fait la course? Oh pardon. Moi, aïe, oh. Moi. Et t'as gagné? Absolument. Non. Ah ouais? Ils ont des grosses bagnoles? Non, on a toutes les mêmes voitures, mais c'était beaucoup trop fort. Ah ouais. Il était beaucoup trop fort et ça se rentrait partout dedans et tout. Ah oui. Il s'est fait raquette quand. Moi j'ai esquivé tellement de gens, ouais. Ça. Quand ils sont sortis. Mais ça va, ils ont pris que 10 000 sur 30 000. Ah merde, en fait c'était fait exprès, genre même si tu gagnais et tu reprenais le... Bah, je sais pas si c'est des concurrents ou tu vois, de la part du gars qui ouais, a peut-être. J'ai envie de changer de voiture avec Namir. Oui, j'avoue que c'est plus du tout pareil en vrai. Elle me fout la haine, j'ai pas de... Attends, il est tout seul dans la voiture? Ouais. Ah bah non, on peut pas le laisser. Non mais on peut le laisser. Attends, on va voler la félone devant. Mais la félone elle est trop belle. Il est où? Vous allez bien. Chacun change sa voiture. Oh, je vais avec lui tout seul. Vas-y. On a pété à deux félones, ça va être encore plus beau. Ah ouais, putain. Il va passer une félone, toi aussi. Incroyable, on a réussi. Appelle ton patron, c'est un peu pour ça, j'ai pas ça. Snare. Ouais, t'inquiète. Ok. Mais après, ça fait forceur un peu, tu vois. C'est forceur, mais il a dit 3h, il est 3h30. Pourquoi il y avait tant de voitures? Snare. Oui. Tu. Tu m'avais dit 3h, je crois. Si. Mais t'as un empêchement? Ok, mais... Non, on va arriver. Ok, je vais t'envoyer une adresse d'ici quelques minutes. Pas de soucis, bah tout de suite à l'heure. Allez, à tout de suite. Vas-y. Il a eu un empêchement, c'est pour ça, il a pas pu prévenir, il vient justement de se libérer. Ah. Il va m'enlever une adresse. C'est bon, oui. Vas-y, nickel. Pourquoi il y a autant de voitures par contre? Je sais pas. Quelqu'un a à boire? Ou à manger? Ouais. Je suis désolé. Chaque fois, j'oublie de prendre dans le resto. Le téléphone, par contre, il est juste incroyable. Bon, j'ai du mal un peu avec Twitter. Merci. On dirait pas un Zemmel, comment je me tiens? Mais ça n'aurait pas beaucoup, ça. Ouais, ouais, t'as capté. C'est pour ça, faut prendre tout ce qui est menu. Dans les restos et tout, ouais. Et moi, je prends mon menu par jour. Pour éviter que les gens mangent que du pain, quoi. Ouais. Tu es revenu, il s'est passé quoi tout à l'heure? Du coup, j'ai eu un problème de connexion. Ma box est éteinte totalement, elle voulait plus redémarrer. Et du coup, le temps que j'ai. Pendant une heure, j'avais plus de co. Mia s'est fait kidnapper et tuer. Calvin s'est fait kidnapper. Oh, et il a dû envoyer pas mal de. Il a dû avouer quelque chose sur nous, etc. Avec ta tête. Lion s'est fait virer du quartier le temps que Ryan n'est pas là. Il s'est passé trop de choses en une heure. À chaque fois que je suis pas là, il s'est passé trop de choses. Donc rock top. Oh. J'ai pas eu ça, j'ai dit que j'avais pas. C'est par rapport à ton croc top et ta fausse banane Balenciaga? Ma vraie. Non, Balenciaga. Ouais, c'est ça. Je te fracasse ta tête. Je t'autorise. Si tu veux me frapper, frappe-moi. Fais pas trop de mal à l'intention, hein. Je sors mon gun à tout moment. Moi aussi je peux dégainer, attention hein, Cinéa. Moi je dégaine, hein. Moi je dégaine mes griffes, moi. Ah bon, non, moi j'ai pas d'armes. Moi je dégaine. T'as vu, il y a une prothèse angulaire, tu peux mettre des griffes. Ouais, j'ai vu. De 3 mètres de long. Si vous sortez votre gun, moi. T'es prêt, je sors ma griffe, attention hein. Tiens. Tu le sors tout ton bouquet de fleurs? De son cul. Ouais, tu le sors où?
Par terre, oui, c'est du carrelage. Vous l'avez pas écouté? Non. En fait, c'était tout à l'heure quand Sinéa, elle a fait tomber la poubelle. C'est tombé de la poubelle. On l'a pas vu, Larry. On n'a pas vu le bouquet de fleurs. Ouais, mais vous êtes avec vous aussi. Elle met des lunettes de soleil alors qu'il fait nuit. T'en as aussi, ta gueule. Ouais, mais moi, de je ouf. Vois, mec. Ouais, moi, je vois. Moi, je vois aussi, hein. Oh, ok, je les enlève. Je remets mes lunettes de vie. Non, il est où, Calvin? Il est là, à gauche. Et si je fais ça? Si j'y vais comme ça, gang, au rendez-vous? Non, pas comme ça. C'est moche. Mais comme ça. Ça a pas changé. Ah, ça tue. Ça fait flic un peu là. Pas comme ça. Attendez. Au rendez-vous. Let's go. Ça fait trop le mec qui a des thunes alors qu'on a rien. Ça fait trop le mec qui a des tales alors qu'il détale. Mais si, je mange un glaçon. Tiens, dans ton cul. Aïe aïe aïe. Ah, mais j'avais pas eu ton pantalon, il a des traits sur le côté. Ouais, le sien il est claqué. Ouais, t'as rien dû mettre comme eux. Parce que ton pantalon il a des traits sur le côté, il est moche. Je sais, mais j'ai fait exprès. Ah. Ça y est, des baskets. Non. Ah, fait trop la pétasse comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai ras le bol. Vous savez que vraiment, en vrai, ça, vous savez que là quand elle fait ça, elle se fait hyper rire. Genre vraiment, elle rigole. Ah ouais? Ouais, je sais. Là, elle s'éclate. Elle est chiante. Tu en as ras le bol de quoi? Rien, c'est bon, j'arrête. Il est méchant. Non, mais c'est pas chiant. Bravo, Tixvex. Non, mais sérieusement, vous cassez les couilles. Putain. Ouais, allez, suce là, toi aussi. Ça, c'est saoulant ce que vous faites là, vraiment. Putain. Oula, je vais vous trancher la gorge, vous allez pas comprendre. Hein. Attends. Avant, oh là là là. Putain, quel pétain truc tu as, toi. Hein. Oh, regardez comment elle boude. Tu fais trop les voyous. Tu fais trop les voyous. Tu boudes là? Mais non. Boude. C'est pas possible. Si tu boudes, je vais vraiment t'éclater. Non, c'est pas. Ah ouais? Ouais, tu arrêtes. Valentina, tu arrêtes. Y'en a vraiment marre. J'en ai marre. Conduite comme Fares, c'est quoi ça? Conduire comme Fares. Je veux trop voir ce que c'est. Attendez, je vais l'écarter. Ça, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Fares? Et toi, je vais te crever. Tu fais voir à personne, Sirette. Je vais trancher la gorge, tu vas voir si je fais peur à personne. Nettoyer son pantalon? What? Oh là, quel malheur. C'est pas le pantalon là, que tu nettoies là, sérieux? Je regarde la chenille. Putain! Mais putain! Valentina, y'a voir Valentina! Casse les couilles! Ouais. Vous restez là, non, j'appelle que Valentina, faut que je montre juste un truc à elle. Y'a voir. Ok. Non, il est là. Mais je l'entends, de toute façon, je l'ai entendu comme un ragondin. Regarde. Tu fais quoi? Tu t'en rends compte? C'est ça? Oh non! Bande de trous du cul! Barre-vous là. Oh. Faut pas me faire ça devant personne. Hein. Mais c'est quoi que t'as fait? Non, en vrai, c'est quoi? En vrai, je vous montrer, attendez. C'est trop drôle. C'est un truc de chouin? Ouais. C'est quoi? Quoi? Attends, refais voir. Non, c'est pas ce que je pense. C'est pas. Elle fait des trucs de ouf. T'as pas. Bah, moi je. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle s'en fait un tampon, elle se met des. T'es sûr? Oui! Ah ouais? Elle a pas mis que ça là. Ouais, elle y a mis le poignet, wesh. C'est mort là. Wesh, c'est quoi ça? Ma curiosité me joue des tours. Oh mon dieu. Comme ça, c'est le mec, c'est que ça t'a changé.
Il y a des trucs de ouf. Je oh non, mais attends, il y a pire. Il y a fort. Non. Fais voir, mais fais voir, tant qu'on y est. Moi aussi, je veux découvrir ce que vous êtes capable de faire. Elle est où? Attends, regarde, t'es prête? Oui. Prenez rien de personnel, ok? C'est juste pour vous montrer, c'est tout. Ok. Ah ouais. Ok. Ok. Ah, t'es une chauffeuse comme ça, Sylvia? Non, t'as géchant. T'as géchant. T'as rien vu. Dès que venez voir le caillasse, venez voir le caillasse. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui? Je suis sûre qu'on a le fond. J'ai mal au. Attends, y'a quelqu'un là? Moi je vois rien. Ah non, dans l'eau! Ah merde. Je vois rien par contre. Oh, mais il est très doux. Ta faute ça. Oh! Oui. Aïe. Ça va? Ouais. Bon, c'est quand là ces Italiens de merde là, qui viennent? Il m'a dit qu'ils m'envoyaient. Je vais arriver avec une bague, ils vont comprendre. Moi, je vais arriver, je vais lui faire cucu, il va rien comprendre. Et là, c'est bon, il sera ok pour tout. Il va où? Hop là, je suis camouflée. Ah, elle est où? Elle est passée au cinéma. Je sais pas si en vrai on se demandait si ça marchait vraiment ou pas. Si, ça, faut bien se mettre face au truc quoi, okay. Parce que sinon on voit tes pieds. Comme ça. Bon, comme ça après on te voit, mais. Wesh. Wesh. Un éclair. Je sais même pas mettre mon flash sur mon tel. Enfin, y a la. Mais c'est simple. Bah oui. J'ai jamais regardé. Je vais en parler avec Orange. C'est qui me fait des appels de phare? Je sais que je suis moi. Arrêtez, s'il vous plaît. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ta gueule. Non, je rigole. Ok. Ça y est, ah, il est grand maintenant, il fait trop la confiance. Ah, mais je vais en parler après avec Ryan et tout. Non, tu mais pour moi, t'as totalement raison. À l'heure actuelle, j'aurais fait pareil. Hein? Tu m'as dit quoi? Arrête de te faire. Bon, là, les tutti frutti, là, ils vont. Tutti frutti? Ouais. Parce qu'il m'a dit à tutti. Mais du coup, ça va se faire? Bah, il m'a dit oui, je t'envoie une pause et ça fait quand même bien 20 minutes, quoi. Imagine, c'est un guet-apens. Ok. Non. Putain, on va se foutre dans un guet-apens. Ouais, c'est vrai, mais tu sais que c'est que t'es drôle, hein? Et je sais, je suis un nouveau. Toi, là, tu vas arrêter, toi. Mais ça c'est les Marseillais, mais ça c'est les Marseillais. J'arrête là. Quoi? Les Marseillais, quoi? Ils te sortent des mots, c'est trop drôle, t'es obligé de les réutiliser. Oh elle a fait quoi? T'auras pas la tête ou quoi? T'es Mélissa? Oh. Venez, on crache sur les decks. Il y a trop de trucs super drôles en fait, ça. D'ailleurs, moi ils m'ont fait bavure policière, j'aurais craché dessus et tout. C'était drôle. T'as bien raison. Et en partant, j'ai bien parlé fort, j'ai fait, tu vas voir, j'ai fait comme ça, tu vas voir, je vais les fumer, je vais les deux là. Mais ces bâtards, ils m'ont bien hagard. Wesh, tu pompes ton cul sur la moto, tu fais quoi là? Je mets mon casque. C'est quoi, gifler? Ah, ok, c'est ça. T'as une gifle au vent? Ouais, est-ce qu'elle m'a trop abîmé mes cheveux? T'as trop soufflé dans la gueule. Moi, je vais changer de coiffure un jour. Je vais prendre la coiffure de Valentin. Je m'appelle Valentin. Et je m'appelle Red. Et j'étais orphelin. Et j'ai quitté le foyer. Parce que Valentina m'a adopté. Nickel. Ouh, incroyable. T'as vu mon poste avec le keuf? C'était assez drôle. Regarde, je t'ai fait mon meilleur sourire. Et trop de trucs, trop drôles. Kiki. Bon. Oui. Oh, j'appelle la bitch qui est en toi, Valentina. Quoi?
La bitch. Je suis pas une bitch. Ça c'est un motif de bagarre ça. T'es une queen bitch. Une queen bitch. J'ai trappé. Oh là là. Regarde, je vais faire un truc. Kiki. Pousse-toi, Nono. Arrête. Je suis quoi? Arrête. Je suis une bitch. Bitch de luxe. Ça va, elle a du luxe. Redis une fois. Bon, c'est bon, Valentina, tiens. Oh non, mais imaginez, il y a des gens qui nous voient. Et... Mais je suis sûre qu'il y en a qui font ça, surtout. T'imagines? Ouais. Félone blanche. C'est vrai que si on est observé, il y a des gens qui nous prennent en photo. Ça le fait pas. Ça va, on est dans notre quartier, on peut verger. On peut pas aller en quartier voir s'ils font des trucs chelous. Si on peut plus vivre, ça sert à rien. J'ai vu de très près. Tu m'étonnes. Ah mais que tu sois pas bien ou pas, ça changerait rien de rester dans ton côté que d'être avec toi. Je vois pas trop. Comme ça. Ah moi quand j'étais sur mon tour, vous m'avez tous d'air à me prendre dans vos bras de merde. Hein. Merci beaucoup pour tes 5 subs offerts, c'est adorable de ta part, merci beaucoup. Je lui dis, tu veux qu'on reparte demain, tu n'as pas de réponse. Non, non, pas date, ça va lui arracher le crâne. Moi, j'ai fait repasser le bébé à cause de lui, l'univers. Oh là, j'ai même pas eu le temps de la date, je suis une salope, moi, j'en ai. Eh ouais, tu es une salope. Quoi? C'est quoi le truc le plus fou que vous avez fait? En toute sincérité. Comment faire? Dans quel sens? Les trucs de ouf que vous disiez. Oui. Est-ce que c'était ambigu en soi? Comme quoi? Aaron. Ouais. Ah mais avec Calvin et Mia. Quoi, ça me parle. Il t'a parlé. Ça parle de quoi? Il t'a parlé, machin. Il m'a dit quoi? C'est quoi les trucs les plus chauds que vous avez dit, genre est-ce que c'est ambigu et tout genre? Et là j'ai des Raffaello posés sur le mur, je vais les dévorer.